Iman morse ensemble avec la droiture. Zizan du monde jamais iman. Après ça, l'injuste. Ça veut dire pas correct. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iban qui ne suivent ni dans l'obéissance à Allah, Zotchina iman koumabizan, et en même temps, Zotchi, la vie. C'est dans la droiture. Dans ma petite petite chose, comment dans ma plus grande. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ahasiban nasu. Est-ce qu'il y a un djimoun croire? Un yutrakou. Qui pour qui d'zot? Un yakoulou amanna. Qui veut dire nuna iman. Wakum la yuftanoun. Et je te pose pas vous passe dans le test, dans l'examen, dans la situation difficile. Voilà quoi le fatan. En vérité, nous, Allah Ta'ala, ne faisons pas ce test ban qui avance. Nous mettons l'examen, le ban qui avance. Fala yalaman pour qu'Allah Ta'ala reconnaisse. Ban qui sincère. Voilà hier la manne et il reconnaît ban qui faux, ban qui menteur, ban qui pas reste dans l'obéissance à Allah. Ça, des ayats là, il y a des ayats 3 dans Surah Al-Ankabut. Amène-nous comprendre qui Alhamd wa shukr. Wajib. Faire louange à Allah Ta'ala, remercier Allah Ta'ala, est obligatoire. Alhamd, wa-shukr, wajib. Faire l'istighfar, wajib. Diman Allah Ta'ala, pardon, est obligatoire. Et avec diman pardon, mors également repentir sincèrement. Faut wajib. Et la patience, nos situations difficiles, li wajib.